c'est bien sûr. Les décors. Voici le petit chapeau. Bonsoir et bienvenue à Allume la télé. Pour jouer avec nous ce soir, Pascal, Annie, Guillaume et Daniel. Ce sont les têtes brûlées, opposées aux incorruptibles, Michel, Thierry, David et Sylvie. Et pour nous faire vivre ce match de titans, voici Annie Pujol et Yvan Frézard. Salut! Bonsoir à tous! Salut, bonsoir! Bienvenue, Allume la télé, c'est un nouveau jeu sur TF1 tous les samedis. Allume la télé, c'est pas un ordre, mais bon, vous l'avez fait, ils l'ont fait, Annie! Et c'est déjà bien joué, puisqu'Allume la télé n'est pas une émission de plus sur la télé, mais un jeu où vous allez pouvoir jouer avec nous sur toute la télé. Celle d'hier, celle d'aujourd'hui, avec des extraits de séries, de feuilletons, d'émissions, avec quoi d'autre? Ben, on va pouvoir peut-être découvrir un invité surprise, si on est très malin et qu'on connaît bien la télé. Il y aura une finale très suspense. Très. Et plein de surprises. Alors, les incorruptibles, est-ce que vous l'êtes vraiment? Tout à fait. Je vous donne un billet de 500 francs pour laisser gagner les têtes brûlées. Non. Les grandes années pour vous aussi, avec une série que vous connaissez sans doute. Regardez. Eh ben oui, c'est l'histoire pour nos deux héros. Vous avez reconnu évidemment les Chevaliers du Ciel. Et dans cet extrait, la toute première apparition à la télévision de Marlène Jobert, qui jouait la coiffeuse de la base. Alors, première question sur les Chevaliers du Ciel, très facile. Quels sont les noms de ces deux héros? Excellente soirée sur TF1. Allume la télé à la semaine prochaine. Si vous le voulez bien. Salut.